Crasseux, Doro, Joël, Shalom. Très heureux d'être parmi vous. Je vois beaucoup de bananes. Je suis heureux. Parce que nous célébrons ici l'arbre de Noël. Merci. Noël, on est allé le cousin. J'avais déjà fait mon passage ici à Gros. Un peu d'abbé Gros. Où le Seigneur nous a utilisé. On peut d'ailleurs. N'est-ce pas pour détruire les œuvres? Le constat a devenu des agabos. Nous avons profité pour évangéliser. Deux minutes dans la salle à la boutique. Mais nous ne sommes pas à la première édition. C'est la deuxième édition. Sonalé Noël. Sonalé de Noël. La première édition est organisée. À Zaroko l'année dernière décembre. Et le bon Zaroko vient nous dire. Et sur la même date. Il est vraiment bon d'argent. L'année dernière, le 22, nous avons célébré la journée en 10 en lutte contre la délinquance des crimes spirituels. Et le 23, le 23, 24 jusqu'au 25. On a implanté nous avons distribué plus de 1000 jouets. Cette fois-ci, c'est 2000 jouets. C'est la fondation Joël Crasso. J'en profite pour remercier une de mes filles. José. Voilà qui a pris en charge tous les jouets. Voilà, José s'appelle José. Voilà José. José, c'est une de mes filles. Voilà, il a eu. Vous comprenez dans ça. Elle est en vain, je devais être là. On est humain, c'est pas on se rend compte du jour qu'elle a perdu sa nièce. Le, on a une youtube. Mais parlez, on y est. Je suis le responsable d'un ministère. Mais il est. Parlez le ministère de la compassion des âmes. Le Wugam, mais non. Notre ministère consiste. Annoncer la bonne nouvelle au royaume de Dieu. Amener les hommes à Jésus. Il est délivré. Plus de 10 ans. Et j'exerce mon ministère sur le territoire ivoirien. J'ai même un arrêté ministériel. Ministre, regarde bien, je permets d'exercer mon ministère au niveau de la Côte d'Ivoire. Nous avons reçu de Dieu une révélation. Le problème de l'Afrique, c'est la sorcellerie. Et c'est la sorcellerie qui est un frein au développement. Et là où il y a la sorcellerie, difficilement le développement pénètre. Lorsque nous avons travaillé en 2012 dans la région de Fresco, ils ont refait la voie, la roue de Fresco. De San Pedro à Pitan a été fait. Nous avons commencé cette année. L'année dernière, dans la région. Dieu merci. Ils sont en train de faire la voix de Titoko. Ils sont en train de refaire la voix de Titoko. Et cette voix a gâté 4 fois ma voiture. 4 fois. Ma voiture est gâtée 4 fois. Jamais je n'ai tendu la main à quelqu'un de cette région. Mais je réparer ma voiture, jamais. Pourquoi? Parce que j'ai l'amour des âmes. Et notre vision, c'est de gagner au maximum de personnes pour la cause de Jésus. Le maximum de villages pour la cause de Jésus. Nous allons dans les villages parler de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que des villes qui ont besoin de Christ. Nous connaissons la véritable paix et le développement. Quand quelqu'un a Jésus, cette personne ne sait pas du mal. Et nous appelons la sorcellerie. Elle est la curée de Dieu. Elle pratique, n'est-ce pas,
la volonté de Dieu. Mais d'abord, oui, mais on a vu. Et c'est le combat que nous menons. Depuis la victoire. Et depuis que nous sommes dans cette région, depuis après, le Seigneur nous a puissamment utilisés. D'abord, on nous parle de la désenvoûter les régions, les villages, des personnes. L'année dernière, nous avons organisé cette même fête à Zaroko. Plus de 1000 enfants reçus les jouets. Et c'est à mes confrères. Et en même temps, une compétition de football a été organisée. Et un village. Pourquoi? Notre vision consiste à ramener vos enfants au village. C'est ça le combat. Selon Crasso, Père d'Abidjan. Je prie d'Abidjan. Pour exercer mon ministère, je peux me conduire de la Côte d'Ivoire, en Europe, à cette date, en train de faire des tournées en France, en train de faire des tournées en Europe, en train de dire je suis très sollicité. Je suis suivi par 162 pays, je le nec, je suis sollicité partout dans le monde. Mais pour moi, je respecte la parole de Jésus. Il nous dit dans Actes des Apôtres, le chapitre 1, à partir du verset 8. Vous recevez une puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée.